Bonjour, bonsoir, amis tout partout New York, comment nous y est? Bienvenue sur Channel Haïti Info Santé pour jeudi. Dans l'émission jeudi, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment important qui concerne la santé. Organisation mondiale de la santé, qui c'est OMS, définit la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social. Mais en Haïti, nous parlons de la santé, nous plus tenu compte de santé physique là. Mais selon définition OMS, yon moun en bonne santé, li doit non seulement bénéficier yon bonne santé physique, mais tout li doit bénéficier yon bonne santé mentale. C'est peut-être ça dans l'émission jodi an, Haïti Info Santé pral parler ak Nathalie Desinor et puis Max Luberi Fleuridor. Tous deux c'est psychologues qui travaillent dans ces VIB, Centre Vie et Bien-être. Yon centre accompagnement psychologique qui nan Gonaïf, mais qui a desservi tout département à Tibonite là. Ensemble avec yo, nous pral wè ki sa ki santé mentale là et ki lè yon moun ka jwi de yon bonne santé mentale. Santé mentale c'est un état de bien-être et psychologique. Et bon, c'est pas moi qui dis, c'est OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Il dit que pour mon en bonne santé, c'est une approche biopsychosociale et faut corps bon, faut tête là bon, faut environnement social là bon. Santé mentale là sont gros ressources. Mais pour moi arriver dans ressources ça, on nous considérer définition que OMS bail de santé mentale. Il parlait de santé mentale comme un état de complet bien-être psychologique, émotionnel et social, et c'est pas seulement absence de maladie mentale. L'important pour nous souligner deuxième partie ça, parce que on monde capable gagner maladie mentale et puis lui expérimenter un bon niveau de bien-être. Donc lui capable expérimenter un niveau de santé mentale même si lui gagner de maladie mentale. Donc bien-être là c'est vraiment le centre de cette approche. Mais c'est une approche qui m'a dit pour nous considérer plusieurs dimensions dans le monde. Dimension sociale, dimension psychologique, mais tout dimension physique. C'est tous les trois dimensions qui pour réunir ensemble, qui pour bailler santé comme état de complet bien-être que OMS a parlé. Et les gens en bonne santé mentale, tout, c'est côté que les gens ont une capacité pour jouer et toute activité et pleinement. Donc mon ça li connaît que le matin pour toute gente qu'on a habitué fonctionner dans corps dans l'esprit li tout ça gen pour le faire et ça te qu'on a habitué faire dans et dans quotidien li pour régler au pleinement et pour une sorte d'harmonie entre corps avec l'esprit li et pour lui toujours conscient toujours lucide de tout ça et la régler dans et dans journée et pour lui très productif ou bien dans travail li dans tout et ça l'a réglé. C'est ça et laisse amon nan ka di l'a vivre en bonne santé mentale. Yon l'autre approche qui est intéressant encore pour nous considérer le n'a parlé de santé mentale notamment pour OMS, pour OMS santé mentale c'est nous doit wè li évaluer li en termes d'émotion, de sentiments, de sensations positives. C'est tout autant on moun a expérimenté des sentiments, des émotions positives, nous capable parler de santé mentale. Contrairement leur moun a traversé une période de trouble mental et plus sentiments, plus émotions que li a éprouvé, c'est des émotions, c'est des sentiments négatifs. L'important pour un moun bay santé mentale li importance parce que j'en te dit tout à l'heure, c'est une ressource. Nous devons avoir les ressources parce que c'est grâce à la santé mentale que nous avons développé la tête au maximum que possible. D'ailleurs, il un rôle santé mentale là, c'est permettre d'actualiser la tête, développer les compétences au maximum que possible, arriver renforcer tout ça que nous comme ressources personnelles, arriver épanouir, arriver réaliser la tête. Arriver à atteindre objectif ou yo et ça pour un monde arriver faire yo pour un monde réaliser yo faut gain santé mentale faut jouir de santé mentale donc il y a pas de réalisation de soi
sans santé mentale. Il n'y a pas d'actualisation de ses capacités, de ses potentialités sans santé mentale. Le problème de santé mentale, là, il pas épargné personne, quelque que soit toute catégorie sociale, mon nom est toujours affecté dans tête li, li ka affecté, ça ka affecté, c'est ça qui fait que li toujours bon pour mon nom et toujours me ka di et toujours suivre et koli évolutionner comment l'a fonctionné, comment le teye pour te ka faire une sorte de auto-évaluation de tête li, comment le teye, comment le vinye et puis tout qui ka et fait mon nom ouais qui si gon bagay ki pa marché juste pour le ka et consulter un professionnel et dans domaine là soit un psychiatre ou bien un psychologue et qui peut aider et faire face avec les problèmes de santé mentale soit la et endurer ou bien la et surmonter dans moment. Alors le nous a parlé de appui, nous avons plusieurs types d'appui nous capables réfléchir avec yo dans cas un monde qui a traversé de périodes qui difficiles dans la ville. Gagner appui social familial que mon a besoin dans environnement naturel côté li a évolué yo appui ça yo important pour permettre que mon senti li intégré pour permettre que mon senti li gagne de ressources qui disponible et accessible bon côté donc le mon dans situation de détresse li envie senti que li gon famille li ka compter sou li. Li envie senti que gagne des collègues de travail, gagne des amis, li capable compter sur yo en cas de détresse, moun sa yo pral remonter li, pral renforcer, pral aider li renforcer ressources personnelles que il gagne yo pour li faire face à situation. Maintenant, deuxième type d'accompagnement d'appui qui essentiel pour moun nan, c'est l'appui d'un professionnel nan question accompagnement psychologique, dans accompagnement psychosocial. Et qui importance accompagnement ça, c'est parce que justement appui familial, appui social naturel que nous avons dans l'environnement nous, des fois il compte pas suffit pour permettre que nous rebondissions, pour nous contrecarrer les difficultés et les moments de détresse de notre vie. Professionnel dans santé mentale là, c'est un monde qui formé pour justement prendre en charge ce type de difficulté, ce type de détresse et qui formé sous de stratégies, sous des techniques bien spécifiques que yo apprend dans université, son monde qui formé sous en façon pour y rentrer en relation avec la personne en détresse, la personne en souffrance. Donc li formé pour justement bail des accompagnements qui permettent que mon nan améliorer santé mentale li, améliorer état d'esprit li, améliorer humeur li, donc pour li revivre, rejouir en niveau de santé mentale, en niveau de bien-être, même si avant li te gagné en situation de détresse psychologique et émotionnelle. Nous arrivons à la fin de l'émission aujourd'hui, côté que nous tapons ensemble avec Nathalie Desinor et puis Max Luberi Fleuridor, deux professionnels dans santé mentale, qui sa santé mentale là y est. Quel est le monde qui a joui de une bonne santé mentale? Merci à tout le monde qui prend un petit temps pour regarder la vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier d'abonner à la chaîne là pour être toujours informé sur les affaires de la santé. Je vous demande d'abonner à la chaîne là, mais je ne pas obligé de vous abonner parce que si la santé est priorité, si vous aimez le contenu, l'important pour vous pour abonner à la chaîne là, comme ça, capable d'aider tête ou dans affaires santé. Depuis que c'est un monde avisé, un monde qui est sensible pour santé ou à santé monde qui dans entourage ou, a toujours besoin gagner information sur qui gens ou capable gérer santé ou. Pour te présenter émission ça, c'était serviteur Karine Sanon, des caméras nous gagner Kumi Dovino. Émission ça, c'était une production Mozaprod. Au revoir, à la prochaine pour une autre vidéo.